C'est en passant devant la voiture américaine du tatoueur que je me suis souvenu de ma rencontre avec les musiciens franco-québécois qui jouent tous les jours dans les rues d'Avignon avant le spectacle à la Tache d'encre. Le soir venu, rue des Teinturiers, le duo Le Caribou Volant était là pour mon plus grand plaisir. Dans l'air de nos miroirs déformés, des conflits et des guerres qui semblent chaque jour s'amplifier, des monstres sanguinaires qui ne font que s'abreuver du sang des innocents indécents. Ils n'ont que faire des rêves et des sentiments, cannibales sans frontières. Des rêves et des sentiments, cannibales sans frontières. Dans l'air de nos vieilles sociétés, un mirage sécuritaire aux doux rêves de liberté. Des idées contestataires qu'on aime bien vite enterrer. Où est passé le secret de nos jardins presque fanés? D'acide ils t'ont aspergé, tant mauvaise herbe, libre pensée. Les reflets d'un monde amer qui ne sait plus que créer de nouvelles formes éphémères, bien souvent vite diluées. Quand les cœurs saignent la vérité, l'image n'a pas cette faculté. Où est passé le mystère? L'égotisme ne s'est pas semé. Où est passé le mystère? L'égotisme ne s'est pas semé. Un chant pour nos sœurs et nos frères qui ne sont pas résignés, pour que survivent les concerts d'une vie en fraternité. De l'Orient à l'Occident, on n'entend qu'un murmure, un dîner. Dès lors qu'on parle d'argent, on n'entend qu'un grincement. De l'Orient à l'Occident, on n'entend qu'un murmure, un dîner. Dès lors qu'on parle d'argent, on n'entend qu'un grincement. On n'entend qu'un murmure, un dîner. Dès lors qu'on parle d'argent, on n'entend qu'un grincement. De l'Orient à l'Occident, on n'entend qu'un murmure, un dîner. Dès lors qu'on parle d'argent, on
n'entend qu'un grincement. Caribou volant, parce que moi je suis né à Québec et puis on avait envie de donner un peu une idée de, je sais pas comment dire, d'animal un peu mythologique à notre groupe. Donc c'est un peu notre totem, le caribou volant. On s'est rencontrés à l'université, on était tous les deux surveillants de bibliothèque. J'avais une guitare sur le dos, il en avait une aussi, et on s'est rencontrés à l'occasion d'un de mes concerts où j'avais commencé en solo avec mon projet, des petites chansons, des choses comme ça. Et puis on s'est rencontrés donc comme ça et on a tout de suite accroché sur les voix quand on s'est mis à chanter ensemble. Et le projet du caribou volant a débuté. Tu te moques? Non, on a une chanson, il faut venir nous voir en concert parce qu'on a une chanson qui parle de ça justement, de notre rencontre. Les années étudiantes. Et alors auteur, compositeur, c'est vous qui écrivez vos textes? Alors auteur, c'est principalement moi. Compositeur, on est tous les deux. Et puis arrangement, tous les deux, plus des amis aussi de temps en temps qui viennent nous donner des idées. On va dire, parce qu'on a travaillé avec un saxophoniste, avec un guitariste, avec un pianiste, qui sont venus enrichir en fait notre musique. Après, quand on est en tournée, c'est à deux et on fait les arrangements à deux, donc l'essentiel du travail finalement. On a fait une petite tournée en Auvergne, on fait des tournées dans la Drôme assez régulièrement. Les festivals, bah, quand on est programmé en festival, oui bien sûr on y va. Donc là par exemple on va en Normandie bientôt autour du 15 août pour un festival qui s'appelle La Vache et le Caribou. Ce n'est pas une blague. Et donc voilà, oui, on circule beaucoup, on fait des concerts aussi privés, des concerts chez les gens, on est parti jouer au Québec, enfin voilà, on est sur la route. Oui, je n'ai pas grand chose à ajouter, mais c'est notre premier festival d'Avignon. Là on est rue des Teinturiers et c'est assez stimulant et c'est très très fatigant. Parce qu'on joue à 23h30, donc il faut pêcher les gens pour les emmener avec nous à 23h30. Le site internet, bah, retrouvez-nous sur lecaribouvolant.com. C'est simple, ça se retient.